Bien, bien, bien. Passons au suivant. C'est encore en France. Saint-Martin de Nouette. Saint-Just. On va aller voir de l'autre côté, je dirais. Avec un peu de chance, on va avoir un gros croisement. Saint-Gore. Il y a des drapeaux là. Camping Le Pin. Ouais, il y a tout un tas de drapeaux là. C'est les langues qui parlent. Ah. Saint-Justin, la Bastide, Roquefort. D626 et D379. Où est-ce que c'est Roquefort? Alors c'est connu, mais c'est tout petit en fait, je crois. C'est reconnu pour son fromage, quoi, mais. Je crois qu'en vrai c'est vraiment petit. On a dit que Roquefort était de quel côté en fait. Oh, ça c'était peut-être intéressant comme panneau. 05. Ah oui, non, c'est plus par là alors. J'en ai pas la moindre idée. Oui, bon, bah, du coup, je sais plus dans quelle direction c'est, mais j'ai pas trop de temps. Ça, il n'y avait pas d'autres infos. S'il te plaît, le panneau. Chambre d'hôte, Armagnac, Gabaret. Oula, je me suis fait TP là. Bon. Retournons au départ. On va par là. En tout cas, c'est très sinueux. Que je trouve Roquefort en fait. Si je savais où était le Roquefort. J'ai plus de temps. Ouais, non, mais ça m'aide pas, ça. Oula! Ouais, surtout si je me fais TP dans des zones comme ça. Ouais, bon. Ah bah, je suis à Roquefort, en fait. Putain, où c'est Roquefort? C'est Rochefort. B.
mettre à Aurillac. En montagne, ouais, bah c'est ce que je me serais dit, mais. Et bah pas du tout. J'étais beaucoup plus près à la base. Merde. Je vais pas cliquer dessus. Pas du tout. Et en fait, si on le voit quand même d'assez loin, je l'ai juste pas vu. Donc c'est vraiment sud-ouest, quoi. Là, je me suis mis vers le massif central, je me suis dit à la limite. Mais non, non, Roquefort, c'est vraiment là, quoi. Bon, j'aurais pu. Donc, ouais, j'ai dû passer dessus tout à l'heure. Tant pis. J'aime bien m'éloigner au dernier moment. Ouais, non, mais en fait, c'est parce qu'on retient les fois où je m'éloigne et pas les fois où je me rapproche. C'est un biais du survivant. Et d'aversion aux pertes. Allons là. Une grande route. Et là, il y a un gros panneau aussi. Villeneuve-Saint-Georges. C'est connu ça en plus. Connu Villeneuve-Saint-Georges. Ça me dit vraiment quelque chose. Je dirais bien que c'est en région parisienne, mais ouais, bah si, 01. Est-ce qu'on le voit de loin? Non. Là, on est vraiment à Villeneuve-Saint-Georges. Je vais me mettre quand même dans le coin, hein. Quatre-vingt-quatorze. À Tay, c'est grand aussi, ça. J'ai déjà vu Tay. Bon, on va avancer un peu parce que on va peut-être trouver des panneaux. Pompadour. Ah, voilà. Sénart. Putain, mais c'est quoi ces trucs-là? Ça me dit rien du tout. Ah, je vois pas où ça peut être en vrai. Villeneuve-Saint-Georges, je connais de nom, mais là il y a Villeneuve. Je sais pas où c'est le 94, le 9-4. Je crois que c'est par là, mais. Là, on est en train d'aller à Villeneuve-Saint-Georges, quoi. C'est un peu chiant. N6. Ça peut peut-être se trouver, N6. A6. Une N6 qui fait bien nord-sud, quoi. N1, N2, N3. Je vois l'A6, la N7, la N6, Villeneuve-Saint-Georges. Donc on est à Villeneuve-Saint-Georges. Sur la N6, il y a Sénart qui est plus haut, visiblement. Ah non, Sénart est au sud. On doit être à Villeneuve-Saint-Georges en vrai. Qu'est-ce que je pourrais repérer? Ah bah oui, Paris vers le nord. Choisis
menton. Voir. J'avais même pas vu qu'il y avait la Seine à côté, en fait. Ah, mais là, on est au croisement avec la D110. Peut-être trouver ça quand même. N6, N6. D31, N6, D50, D33. Bon, ben là, je me suis bien éloigné. D110. Donc, on est là et on est allé vers le sud. Donc, on est un peu plus au nord. Genre par là. On est là où il y a des maisons. Il y a un petit carré. Ah, genre par là. Même plus par où on est parti. Ah, rue quoi? Place Julio Curie. Ouais, ben on est là. On est. Ah, ben j'ai pas eu le temps de me replacer. J'avais pas vu que j'avais plus de temps. Donc 29 mètres, 4999 points. Dommage. Mais quand même. Au moins, on retiendra que Villeneuve-Saint-Georges, c'est par là. En vrai, je connais pas du tout ce coin de Paris, le sud-est, enfin l'est en général, je connais pas vraiment. Alors, à vendre 03 123, on est par là. Machin le duc, Bar-le-Duc. 55, rue de Verdun. On va se mettre vers Verdun. C'est où Verdun déjà? Putain, je l'ai vu tout à l'heure. Là. Est-ce qu'on voit Bar-le-Duc? En vrai, rue de Verdun, ça veut tout et rien dire. Ça peut être très loin. Bar-le-Duc. Donc on doit être dans le coin. D122, Neuville. Sur Ornain. Évigny sur Ornain. Roncourt sur Ornain. Est-ce que je vois la D112 en fait? Peut-être plus simple. On va suivre l'Ornain sinon en fait. L'Ornain c'est ça. Saint-Amand-sur-Ornain, Neuville-sur-Ornain, UC, Bar-le-Duc. Ah mais Bar-le-Duc est donc à l'est, à 12 km, donc on doit être dans le coin quoi en fait. On est D1, D122, D1, D122. Je vois la D122 quelque part. D1B. D122D. Hein. D1, D122. Donc on est genre là. Ouais. Et donc on vient de par là, donc on vient de l'ouest, donc on est genre par là. Retour au point de départ. Ah non, mais on est genre carrément en fait là. Juste à côté de la mairie, ça doit être la mairie en fait. Non, peut-être pas. Ah non, la mairie, elle a une petite route à côté. Oxy, enfin. Ça, c'est la mairie. Et on est juste, ouais, genre là.
Et c'est 4 mètres, donc 5000 points. Bon coin paumé. Je ferai sûrement pas les 5000, déjà, ça c'est clair. J'aurais trop la flemme de chercher précisément. Il des panneaux. Pas du. Ah. Non mais. Non mais. Oh. Il y avait un panneau. Les Landes. Les Landes? Parc naturel des Landes, c'est où déjà? Où c'est les Landes? Morvan. Oh, je suis nul en. On va se mettre par là en attendant. En plus, ça veut rien dire, c'est peut-être pas dans le parc des Landes. Ok. Non, mais je veux bien des infos quand même à un moment. Panneau, ça? Pas du tout. Non, mais. Saint-Martin. Là, c'est quoi? D207. Ça va pas trop m'aider. Bah écoute, hein, je crois que là, j'ai pas vraiment d'infos, hein. Ah, attends, c'était quoi ça? Oui, non, mais d'accord. Youpi. Ouais. Puis en vrai, ça sert pas à grand chose de partir de l'autre côté parce que je sais même pas si ce sera vraiment mieux, hein. Allô? La route qui veut pas faire avancer. Ça a l'air d'être une route un peu plus grande.